Bienvenue pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Bonjour, c'est Angélique et aujourd'hui je vais vous présenter la trilogie de Florana Follow Me. Donc, Florana, c'est une auteure française, elle est très proche de ses lecteurs, on peut notamment pas mal échanger avec elle sur Instagram, donc c'est assez sympa. Et j'ai choisi ces livres parce qu'ils font partie d'un genre littéraire que j'aime beaucoup, qui est la romance contemporaine, qu'on commence à retrouver à la médiathèque, donc merci la médiathèque. Ensuite, j'ai beaucoup aimé cette trilogie. Florana, elle a une plume qui est très addictive, qui est très fluide et très rigolote aussi, on a beaucoup de moments très drôles. Et puis, dans cette romance, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est pas une romance classique avec un preux chevalier qui vient sauver sa jeune demoiselle en détresse, ni le jeune milliardaire sexy qui vient apprendre la vie et l'amour à une jeune fille innocente. Là, on a des héros authentiques qu'on pourrait croiser dans la rue tous les jours. C'est trois jeunes hommes qui ont ouvert un cabinet infirmier. Donc ils travaillent tous les trois ensemble et en plus ils vivent ensemble aussi, donc on suit leurs aventures amoureuses. Dans le premier tome, on a Ange qui retrouve Lise après 10 ans de séparation. Lise, elle est complètement déjantée et alors ça c'est génial. On a des moments, mais franchement j'ai vraiment ri aux larmes, donc génial. Le tome 2, ce sera mon préféré, c'est celui avec on retrouve Anthony, donc le deuxième colocataire, qui lui est un peu plus péchu que Ange, parce que Ange, il est un peu trop lisse pour moi. Et ensuite, le dernier tome, c'est Sofiane, c'est le geek par excellence. Et alors franchement, mais un très très bon moment. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, c'est un vrai moment feel good. Donc je vous recommande de les lire, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc on peut les lire indépendamment, on comprendra quand même l'histoire, mais on ne comprendra pas les petites subtilités et les petites références à ce qui s'est passé avant. À bientôt pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book.